Good morgen, allez, Idan les Suisses aujourd'hui, il est le Nishma, François Benjamin Hana, Jenin Rude, Batforte de Mazalfred, Nakulchon, Ben Shalom et Ishaya Beninda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Seret Pea, Perekvav, Mishnah Zain. Kama Sheyeshba Sataim, Ushchacha, Eina Shichacha. En Ba Sataim, Avali Reouya la Sot Sataim, Afilui Shel Tofach, Ruinota Kelui Annava, Shel. C'est horrible. Une Mishnah qui va prolonger l'idée de la Mishnah précédente dans une nouvelle situation. Et on va corriger une erreur que je vous ai dit, que j'ai cherché beaucoup. Apparemment, j'ai fait une erreur. Concrètement, on avait vu dans la Mishnah. D'abord, j'ai introduit. On a deux sortes de shichrecha. Peut-être que je fais maintenant. On va mentionner trois sortes de dons aux pauvres qu'il faut que je fasse lorsque je cueille mon champ. Quatre même, je veux dire. Il y a PA. PA, je dois laisser le coin de mon champ. D'accord? Là-bas, je ne touche pas. À part ça, lorsque je cueille, lorsque je ramasse, lorsque je fauche, alors il y a le léquette qui va tomber pendant que je suis en train de faucher, qui va tomber de ma main, comme ce qu'on avait appris, donc il y a des conditions requises. Après, je vais les faire en gerbe, d'accord? Je les attache en gerbe, et je ramasse les gerbes, et j'oublie, ça c'est Shichrat HaOmer. À part ça, il y a aussi Shichrat Kama. Je laisse le côté Shichrat Kama, d'abord je répète. Donc on a dit, je laisse le coin, c'est PA, Leket, c'est lorsque je cueille ce qui me tombe, et Shichrat HaOmer, donc c'est lorsque je ramasse les gerbes, et que j'en oublie une ou deux par terre. Mais il y a aussi la Shichrat Kama. On a évoqué à quelques occasions déjà que lorsque je fauche le blé, eh bien, si je saute quelques épis de temps en temps, alors je dois, selon le cas, on avait déjà évoqué ce qui était devant lui, ce qui était derrière lui, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc, ce qui est, lorsque tu fauches ton blé, tu as sauté un, deux, quelques-uns, tu en as sauté, tu les laisses maintenant planter, tu n'as plus le droit de revenir les chercher. Ça, c'est pour la tvoua pour les céréales, on parlera ensuite de perret et de olélot pour la vigne plus tard. D'accord? Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de mettre le focus sur les deux sortes de shichrecha. Il y a shichrecha ta omer et shichrecha ta kama. Shichrecha ta omer, c'est-à-dire que le omer, j'ai oublié les shichkoach. Shichrecha, c'est j'ai oublié la gerbe ou j'ai oublié les épis pendant que j'ai coupé, je les ai sautés. J'ai coupé, puis après je suis passé, j'ai oublié de couper quelques-uns en route. D'accord? Donc ça, Shichrat Omer et Shichrat Kama. Maintenant, on avait appris dans la Mishnah précédente que si j'ai fait une gerbe très grosse, qui va faire l'équivalent de Sataim, une très grande quantité, quelque chose que je ne peux pas prendre comme ça, juste mettre sur l'épaule, il faut deux personnes pour le porter, ou il faut des techniques spéciales pour le transporter. C'est pas quelque chose que tu prends, tu mets sur ton épaule facilement. Eh bien, dans ce cas-là, c'est pas une shichrecha. D'accord? Et la Mishnah, elle va, en un mot, elle va m'apprendre qu'il en va de même aussi pour la shichrechat kama. La kama, lorsque tu cueilles ton blé, si tu laisses une quantité plantée très grande, eh bien, c'est pas une shichrecha. Si tu as laissé la même quantité de sataï. D'accord? C'est le principe de la Mishnah. Mais avant de lire et d'expliquer la Mishnah, je vais corriger une erreur. Parce qu'on avait appris dans la Mishnah, Hei, on avait appris une notion importante, que deux, c'est une shichrecha, trois, c'est pas une shichrecha. Soit, lorsque par exemple tu ramasses tes épis, tes gerbes de blé, si tu en as laissé deux, tu en as oublié deux par terre, tu ne pourras plus venir les chercher. Mais si tu en as laissé trois, c'est une quantité importante, tu auras le droit de revenir les chercher. Là, toi, tu as dit, tu oublies une petite chose, shichrecha omer vasave, mais pas quand c'est trois. Ou 4 d'après votre charade. D'accord? Ce qui se passe, il y a un élément que je ne savais pas, c'est que lorsque je laisse des épis de blé plantés, et que j'en saute, ce que aussi je suis limité à un ou deux et pas plus. Je vous avais dit, moi, dans la Mishnah, et depuis même plusieurs fois, depuis le Masechet qu'on en parle, pour moi c'était évident que c'était juste quand il y a un épi ou deux épis, mais trois épis, on va revenir dans la charade. Apparemment, c'est faux. Ça sort de notre Mishnah qu'on va apprendre de suite. Que c'est une donnée fausse, je rectifie. Dans la Shichrechat Kama, tu n'es pas limité à deux. Il y a une seule limite qui a été dite, c'est si tu as
ça a taïm, une très grosse quantité. Mais on donc déduit là que si tu as laissé même 20 épis, mais qu'ensemble ça fait donc pas bête, ça fait pas ça taïm, et bien ça sera une shichechat kama. Comme ça en sort forcément. La Mishnah, j'ai cherché beaucoup de livres, personne n'en a parlé explicitement. Je sais pas pourquoi, j'ai assimilé les choses. Comme on avait une longue Mishnah dans la Mishnah qui nous avait appris que 2 c'est une shichecha, 3 c'est pas une shichecha. On avait parlé là-bas de shichecha d'Omer, de Peret et de Leket. Et pour moi, ça me choque aussi que c'est shichecha de Kama. Apparemment, c'est faux. D'accord? Et la Mishnah, elle vient juste me donner un allègement. C'est que si jamais j'ai une Kama Sheyeshba Sa'ataim, tu as laissé un champ en épi où il y a dedans Sa'ataim. T'as laissé l'équivalent de 2 CA, pour rappel, un volume de 144 œufs, et bien, ushraha, et tu l'as oublié. T'as commencé à couper, et après t'es passé à autre chose, t'as laissé une quantité, au milieu, une quantité gigantesque. L'équivalent de quoi faire un sataïm. Et bien dans ce cas-là, ena shichra, ce ne sera pas une shichra. D'accord? Maintenant, la Mishnah va me dire, tu sais, pour ça quand j'ai dit sataïm, qu'il faut laisser 2 CA, c'est pas obligé d'avoir 2 CA. En bas sataim, s'il n'y a pas dedans 2 CA, mais quoi? Avali reouya la sot sataim, mais elle est apte à laisser sataim, à devenir sataim. C'est-à-dire qu'en fait, comme il nous dit le Barthénora, je crois que ça va être dans celui. D'accord. Afilu shel tofar, ruinota kilo yanava. Même si elle était encore tout. C'est-à-dire, j'explique. Les grains de blé, je t'ai dit que tu lui as laissé sataim. D'abord, je donne la notion, après on va le voir dans les mots. C'est que ça a taïm de blé, alors c'est pas la peine d'avoir concrètement, matériellement, ça a taïm de blé. Si tu as une quantité d'épis que, en temps normal, s'ils poussent normalement et qu'ils vont jusqu'au bout et qu'ils n'ont pas, ils ont reçu aucun coup de soleil trop violent sur la tête ou, et qu'ils vont te donner un volume de 2 de ça a taïm, de 2 CA, même si matériellement, cette fois-ci, les grains ils sont sortis plus petits qu'il n'y avait pas un ça a taïm, c'est aussi considéré comme un ça a taïm. Vous avez compris? C'est-à-dire. En temps normal, pour avoir ça à taïm, selon ta quantité d'épis de blé, tu dois laisser, je ne sais pas moi, un mètre carré d'épis de blé, en temps normal, et comme ça tu auras ça à taïm, tu auras 2 CA de blé. Cette fois-ci-là, cette année-là, la récolte elle était beaucoup moins bonne, il y a eu plus de vents chauds qui ont soufflé, qui ont fait tomber des grains, ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu vas avoir dans toute cette quantité de 1 mètre carré, tu vas réussir à obtenir qu'un seul, une seule CA et pas 2 CA, malgré tout, ce sera une quantité dispensée de Shichechat Kama, que si tu as sauté, tu auras le droit de venir le rechercher malgré tout, parce qu'il y a ici une quantité d'épis de blé qui, en temps normal, suffit pour me donner sa taille. Alors, les petits grains de blé de cette année, ils sont appelés dans la Mishnah Tofar, et c'est ce que la Mishnah nous dit, « Afilo Ishal Tofar ». Même si c'est des épis qui sont à l'intérieur, qui sont grands comme un tofar, une petite, qui sont grands comme une petite, il nous dit le Bartanura, min kitnit dak me'od vekorino baravi gilban. En arabe, ça s'appelle du gilban, je ne sais pas c'est quoi, c'est des petits grains. Et, a fait le jeune tofar, malgré tout, roinota keloui anava, avec un vav ou avec un vet, comme si ils sont gros comme en temps normal, comme si. Ils étaient des anavajasim, quasi qu'ils étaient des gros grains de séorim d'orge. Et là, ça s'appelle donc que tu as laissé une quantité apte à faire sataim et t'es dispensé de laisser. Et tu auras le droit de revenir chercher cette shichechat kama. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, v'selah.